Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo face cam, comme ça, ça fait trop bizarre. Mais du coup, on se retrouve pour une petite vidéo sur, vraiment petite, hein, mais bon, ça fait du bien aussi des petites vidéos sur mes tapis du moment. Donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo comme ça, et donc il y a eu du changement depuis. J'en ai vendu certains, j'en ai racheté d'autres, et j'aime beaucoup qu'on parle matériel, tout ça, je trouve ça bien. Et j'aime bien les vidéos comme ça, même moi j'adore regarder ça, donc voilà. Il faut savoir qu'il m'en manque 3, donc je vous mettrai des photos, des vidéos et tout, parce que en fait je suis en train de déménager, du coup j'en ai 3 que j'ai pas encore amené ici. Bref, on va commencer par l'amortisseur, parce que oui, j'en utilise plus qu'un du coup. Un amortisseur j'aime comme ça, que j'ai eu pour mon anniversaire, que mes amis m'ont offert. Il est tout simple, tout basique. Mais il est vraiment génial niveau finition, tout ça, vraiment c'est super, il s'accorde avec tout. Il est assez épais mais en même temps pas trop. Il a mémoire de forme il me semble, et il est juste trop bien formé. Enfin, depuis hyper longtemps je voulais. Il dégarote super bien, enfin bref, il est trop cool. Ensuite, on va parler des vieux tapis que j'utilise encore. Ah oui, parce que là je vous montre que les tapis que j'utilise encore. Du coup, ça c'est un Hervé Bodignon tout simple, vraiment de base, que j'ai depuis hyper longtemps aussi. Il me semble que j'ai en 2016. Donc, de ce côté, il y a ce logo là, que je trouve beaucoup plus beau que le nouveau logo qui est sorti. Et ce côté là, il est comme ça, c'est écrit Jumping Hervé Bodignon. Il me semble que j'avais pas payé très cher, genre 65€, 69€ pour un Hervé Bodignon, c'est très bien. Ah oui, celui-là, faut savoir que je ne le mets plus que pour les balades, ou alors quand j'ai vraiment la flemme d'utiliser un beau tapis entre guillemets, enfin je mets celui-là. Alors, ensuite lui, il est très vieux aussi. C'est un Royal Horse que j'avais gagné à un concours, mais vraiment lui, il est éclaté. Là, il a des trous. Lui, je le mets pareil pour la longe quand je mets un surfait ou quand je pars en balade. Pareil, là, genre il y a la cordelette qui s'en va. L'intérieur aussi, vous êtes pas prêts, mais l'intérieur... Voilà, on a mon Warm Store que j'ai depuis maintenant presque 3 ans, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Non mais bref, je l'aime trop, il est hyper original. Par contre la qualité, elle est vraiment pas ouf. Enfin pour le prix auquel j'ai payé, je l'ai payé 100€, je l'avais acheté au sein du cheval, le dernier sein du cheval qu'il y a eu 2019. Et honnêtement, il est pas ouf au niveau qualité quoi. Les scratchs qui sont là, vous voyez, ils décollent. Je l'utilise pas non plus énormément, je l'utilisais genre une fois par semaine grand max. Quand je suis en vacances j'utilise genre une ou deux fois par semaine. Je n'ai pas lavé énormément de fois non plus, j'ai dû le laver 5 fois au total en 2 ans et demi, mais c'est vrai que le tissu est plus ce qu'il était quoi. Ensuite, celui-là je l'ai acheté à La Motte 2022 là. C'est un Amicel bleu marine, du coup lui que j'utilise beaucoup à la maison, enfin que j'utilise principalement qu'à la maison. Et j'avais pas encore de tapis petit carreau et je trouve ça hyper classe. Voilà, donc franchement je le trouve sympa, il rend bien sur vos vues, la forme elle est sympa aussi. Genre il est hyper bien taillé au niveau de la colonne, bien dégarroté dans le niveau de sa forme. Donc de ce côté il y a écrit France, et ça, le côté je suis un peu moins fan. C'est un gros drapeau de la France, le scratch c'est pratique aussi quand c'est du passé. Et je trouve que les cordelettes elles sont jolies aussi. Ensuite, je vais vous parler des tapis qui sont pas là. Premièrement, j'ai mon tapis Free Jump, qui est un tapis que j'ai depuis La Motte 2018. Je l'avais acheté pour La Motte 2018 pour être cordé avec toute mon équipe. Genre, il est très beau, je le trouve très simple et tout. Et je l'avais payé 60€, il me semble, pour un tapis de marque comme ça. Je le trouve vraiment pas cher et de très bonne qualité. Ensuite, j'ai mon tapis Pénélope Prévost croisé. Paddock Sport, c'est celui-là, genre il est trop beau, je l'adore, mais il est trop beau, il est super classe, tout simple, tout noir, donc au moins j'ai un tapis noir basique, très beau, genre il est trop stylé. Lui je l'ai eu en 2019 il me semble, 2019, donc trop content de ce tapis, et voilà. Malheureusement du coup je l'ai pas avec vous pour le présenter, je l'ai pas ici pour le présenter, mais il était offert quand on s'abonnait à un magazine. Et ensuite dernier que j'ai pas avec moi, c'est un gemme bleu marine que j'ai eu à Noël en 2020. C'était mon premier gemme et il est trop beau, trop classe. La cordelette elle est en argent et argent et blanc, donc ça fait grave ressortir sur Rosu, c'est trop beau, sur Sanguille aussi c'est super beau. Bref, pour continuer dans la lancée des tapis gel et tout ça, parce que enfin, voilà,
je me suis acheté d'occasion celui-ci. Je cherchais un tapis avec bordure rouge pour aller avec mon j'avais acheté un pantalon rouge. Du coup, lui, je l'ai trouvé d'occasion à 60 euros, il me semble, sur Facebook. Il est de très bonne qualité, tout ça. Génial, juste là, il y a un fil qui est en train de s'en aller. Genre, je sais pas d'où il sort, mais il est super beau, super classe. Voilà. Il fait très beau sur gros yeux aussi, il fait très classe, ça ressort bien. Ensuite, on continue dans la lancée des gemmes. Un petit nouveau aussi que je me suis acheté à la mode 2022. Oui, alors la mode 2022, c'est la saison des tapis. Mais du coup, oui, lui, c'est mon copain qui me l'a offert pour les championnats. Du coup, je l'ai pas mis au championnat parce que, voilà, les nouveaux trucs, faut pas les mettre direct au championnat, sinon ça porte là, bref, il est trop beau. C'est donc le nouveau coloris de chez Gemme, le billet, voilà, le billet en Liberty, trop beau, et je le trouve trop stylé, il est grave original, donc en concours ça va être trop beau. Ensuite, autre tapis que j'ai acheté à la mode, et du coup j'arrêtais pas de passer sur ce stand et je le trouvais juste trop beau. Du coup j'ai pris le tapis Harcourt, c'est quand même de la super bonne qualité je trouve. Lui, je l'ai payé 59 euros. Pareil, il est super beau. On dirait c'est un peu une imitation Cavalera Toscana. Je l'ai pris en beige parce que vraiment la couleur elle est incroyable. Et au début, je me suis dit beige rosé, ça va pas être beau. Mais avec les liserés noirs, et il y a un liseré noir taillé et un billet noir, donc ça ressortirait bien. Je mets du billet noir, ça ressort bien. Mon amour, j'aime noir, ça ressortira bien. Bon, et mais par contre, point négatif, comme vous pouvez le voir, il prend la transpise. Hein, j'ai dû le mettre. Je l'ai mis 4 fois au total. Ah désolé, il est dégueu, je viens de le mettre par terre. Je pensais pas. C'est un tapis Meredith marron comme ça que je mets que à la maison aussi. C'est un peu un tapis que je mets quand j'ai 9 à mettre. Mais voilà, il est tout simple. Je l'ai acheté d'occasion aussi avec un bonnet. Mais j'ai perdu le bonnet. Genre impossible de savoir où il est. Trop beau, il est très stylé. Marron, or. Voilà, mon autre habité, il est simple. Je l'ai acheté genre 50 euros avec le bonnet. Donc très bonne affaire. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, moi ça m'a fait trop plaisir de la tourner, j'adore vous présenter les affaires, tout ça, je trouve ça vraiment, genre j'adore, je sais pas pourquoi. Voilà, si jamais vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je vais peut-être faire une FAQ bientôt pour savoir où est-ce que j'en suis au niveau de mon parcours équestre, qu'est-ce que je compte faire l'année prochaine, où est-ce que j'étais pendant plus d'un an, ce que j'ai pas posté. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, enfin précisez-le moi si vous voulez une FAQ quoi. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!